Nous sommes le lundi 15 décembre 2014 et aujourd'hui on se retrouve sur le haut de la rue de Rome à l'emplacement du futur terminus du prolongement du tramway vers la place Castellane. Alors pourquoi cette date et pourquoi ici? Eh bien souvenez-vous, MPM avait promis que 80% des trottoirs seraient rendus aux Marseillais pour qu'ils puissent faire leurs achats de Noël dans des conditions confortables. Eh bien on va faire une petite visite de chantier, c'est parti. Quelques centaines de mètres plus bas, toujours sur la rue de Rome, on continue notre visite de chantier. Vous le voyez derrière moi, les ouvriers continuent de s'activer. A priori, ça ne pose pas de problème ni aux passants qui circulent confortablement, ni aux commerçants qui ont enfin pu souffler ce week-end. Leur commerce était plein, ça faisait au moins 2 ans que ça n'était pas arrivé. On va aller continuer un peu plus bas. Bon alors là on est du côté de la place de Rome, vous le savez c'est un endroit stratégique mais aussi symbolique de ces travaux interminables. La partie haute qui est la partie la plus large a toujours été beaucoup moins impactée par les travaux et par les nuisances alors que du côté de la partie basse et la partie étroite les commerces ont été beaucoup plus gênés, le passage a toujours été beaucoup plus compliqué. En tout cas d'ici quelques jours cette place de Rome devrait être rendue propre par les ouvriers, elle devrait être nettoyée mais en ce qui concerne le pavage on devrait attendre l'année prochaine pour que tout soit terminé. Bon il y a du mieux mais là on est quand même vers la partie basse de la rue de Rome et vous le voyez toujours ces planches en bois, même si quelques pavés sont en train d'être installés, c'est toujours un peu dangereux. Voilà, cette visite de chantier qui nous a été demandée par plusieurs city posters touche à sa fin. On a plusieurs bonnes nouvelles pour eux. D'abord ici du côté de la partie étroite qui a toujours été en retard par rapport à la partie plus large. Les pavés ont enfin été posés, pareil pour les rails. Une autre bonne nouvelle, c'est que les commerçants vont enfin être débarrassés de la poussière, puisque même si les ouvriers sont encore là, ils ont laissé leurs machines de côté. Ils sont là exclusivement pour les finitions et pour tout ce qui est câblage aérien. Enfin, dernière bonne nouvelle, tous les carrefours de la rue de Rome seront ouverts à la circulation à partir de jeudi. A très vite sur CityPost. Nous sommes le lundi 15 décembre 2014 et aujourd'hui on se retrouve sur le haut de la rue de Rome à l'emplacement du futur terminus du prolongement du tramway vers la place Castellane. Alors pourquoi cette date et pourquoi ici? Eh bien souvenez-vous, MPM avait promis que 80% des trottoirs seraient gênés, le passage a toujours été beaucoup plus compliqué. En tout cas d'ici quelques jours, cette place de Rome devrait être rendue propre par les ouvriers, elle devrait être nettoyée. Mais en ce qui concerne le pavage, on devrait attendre l'année prochaine pour que tout soit terminé. Bon il y a du mieux mais là on est quand même vers la partie basse de la rue de Rome et vous le voyez toujours ces planches en bois, même si quelques pavés sont en train d'être installés, c'est toujours un peu dangereux. Rendus aux Marseillais pour qu'ils puissent faire leurs achats de Noël dans des conditions confortables, eh bien on va faire une petite visite de chantier, c'est parti. Quelques centaines de mètres plus bas, toujours sur la rue de Rome, on continue notre visite de chantier. Vous le voyez derrière moi, les ouvriers continuent de s'activer. A priori, ça ne pose pas de problème ni aux passants qui circulent confortablement, ni aux commerçants qui ont enfin pu souffler ce week-end. Leur commerce était plein, ça faisait au moins 2 ans que ça n'était pas arrivé. On va aller continuer un peu plus bas. Bon alors là on est du côté de la place de Rome, vous le savez c'est un endroit stratégique mais aussi symbolique de ces travaux interminables. La partie haute qui est la partie la plus large a toujours été beaucoup moins impactée par les travaux et par les nuisances alors que du côté de la partie basse et la partie étroite les commerces ont été beaucoup plus. Voilà cette visite de chantier qui nous a été demandée par plusieurs city posters touche à sa fin. On a plusieurs bonnes nouvelles pour eux. D'abord ici du côté de la partie étroite qui a toujours été en retard par rapport à la partie plus large. Les pavés ont enfin été posés, pareil pour les rails. Une autre bonne nouvelle, c'est que les commerçants vont enfin être débarrassés de la poussière, puisque même si les ouvriers sont encore